Ladies and gentlemen, welcome pour une nouvelle vidéo sur un jeu basé sur les backrooms. Et mes oreilles commencent déjà à fondre en ce moment. C'est parti, on va tranquillement découvrir ce jeu. Il est bizarre votre mur là, ce sont les backrooms. Je ne sais pas quoi vous dire de plus, c'est une petite vidéo comme ça que j'ai voulu lancer. Et pourquoi pas, voilà. Sinon, parce que bon, le long commentaire comme ça, ça fait longtemps que je n'ai plus fait. J'espère que c'est de l'eau et pas du sang. Donc oui, pardon, les backrooms en gros c'est un mythe qui a commencé sur internet, sur une image, sur Reddit. Et cette image sur Reddit, comment vous expliquer, c'était une image d'une salle avec ces motifs là. Une salle qui paraissait un peu infinie. Bon, personnellement, la salle pour moi, j'ai juste un grand bureau simplement avec un petit mur comme ça qui passe au milieu. On va marcher tranquillement. Donc le montage, je ne sais pas s'il va être fait par moi ou par mon ami Commando, mais si c'est le cas, hormis ce son un peu strident dans les oreilles, notre but c'est de trouver une sortie. Et je viens de me rendre compte de trouver une sortie sur un labyrinthe infini en plus en vidéo. Le sol il bouge littéralement, les murs ils bougent en fait, ça, y a rien qui va. J'active le V5, je pense pas que c'était une bonne idée. C'est ça. Il y a une sirène nucléaire, littéralement. Selon ce qu'on m'a dit, il y aurait pas beaucoup d'étages, mais j'ai l'impression qu'on se rapproche de quelque chose qu'on va regretter. Je me sens pas très... C'est pas très... juste pas très à l'aise, quoi, si vous voulez savoir. C'est un peu la panique, à vrai dire. Je sais pas ce qui m'arrive. J'ai envie de crier, mais on va éviter. Même si... Coupure de courant dans les backrooms. Littéralement, coupure de courant. Je vois pas grand chose. Si on va. Ah. Time. Distance 139 mètres. Ça veut dire quoi? Je suis mort. La vidéo va être extrêmement courte. Ah là là, qu'est-ce que je suis en train de jouer? À quoi je suis en train de jouer? Bon, on revient là, super. Nous je chante ça, on est le 18 juillet et j'ai chaud. On meurt. Donc j'espère que vous entendez pas trop le ventilo. On va marcher. Courir et esquiver le méchant pas beau qui nous suit. Parce que les méchants pas beaux, c'est pas très beau. Et c'est aussi très méchant. Ouais, pour l'instant, ça va. Tout ce qu'on a vu du méchant pas beau. C'était. J'ai rien compris. La vidéo, elle va durer 3 minutes. It's checking your watch too often, ouais. Je ne comprends pas ce jeu. C'est les deux parkings ici, je reconnais. Ah non, c'est deux parkings certes, mais c'est pas le même endroit. Ouais, pourquoi deux parkings? Parce qu'ici, regardez, on peut y mettre une voiture. Voilà. Ça doit être marrant de monter une vidéo comme ça. Moi, je suis en train de chercher comme ça, et quelqu'un est en train de voir tout le rush en entier. Il doit se faire chier. On va pas aller par là, pour des raisons évidentes de sécurité. Le sol, je trouve pas logique du tout ce qui se passe. Mais même le mur, il y a un qui va. Même la vidéo, même Poppy Playtime chapitre 2 était pas mal. D'ailleurs, avec du recul, les vidéos... Enfin, pas réaction, les vidéos... sur des jeux, du gameplay, souvent des jeux d'horreur, mais en même temps j'aime beaucoup faire des jeux d'horreur, mis du Minecraft sur la chaîne.
Y a un SCP ou quoi? C'est le CP qui pleure, je sais plus comment ça s'appelle. Il est derrière, mais souvent ça peut être un piège. Quand ça a des toquements et tout, ça me met pas à l'aise. Heureusement que vous êtes là pour que je parle, sinon c'est pas très, je suis pas très à mon nez. On va pas aller là. On va surtout pas aller là. Je suis pas très à mon aise. Je sais pas où aller. Souvent quand j'ai ça, ça veut dire qu'il se rapproche. Ça veut dire qu'il se rapproche. Oh merde. Souvent quand il y a coupure de courant, ben quelques secondes après on a perdu. Donc je pense qu'on a perdu. Je ne comprends pas ce jeu, on va voir sur internet 221, je sais plus si on a fait autant. L'LVM Direct, qu'en avez-vous pensé? À l'heure où je tourne cette vidéo, l'LVM Direct, j'ai fini sa version finale dans la nuit. Il y a eu trois versions au total, dont... Alors, la première version, c'était un trailer qui manquait, mais c'était pour avoir une idée du temps et voir un peu à quoi ça ressemblait. La deuxième version, la seule problème, c'était 2 secondes, et littéralement, c'était 2 secondes parce que c'était... Comment dire? Bon, c'était pas propre. Et j'ai fait une troisième version, donc littéralement, ça a pris peut-être 1 heure et demie, voire 2. Tout ça pour 2 secondes qui étaient pas propres. Et la V3, bah, j'ai pris la V3 pour le LVM Direct. Mais bon, oui, il y a pas mal de trucs, il y a... La vidéo d'analyse théorique, en fait, de base, je devais préparer une des vidéos, Analyse Theory, une vidéo que j'ai teasée dans l'iceberg de Subvention 2. Mais je sais pas, sur le coup, je me suis dit, j'ai envie de faire une petite vidéo. Il y a des moments où j'ai envie de faire des grosses productions, il y a des moments où j'ai envie de vous amuser un peu, on va dire, qu'on parle, que vous voyez ma tête, qu'on se pose un peu. Se poser sur des jeux d'horreur, oui, c'est vrai, c'est possible que c'est pas le bon truc, mais bon. Mais bon, désolé, mais de base, je fais ça en stream, les jeux d'horreur, j'aime beaucoup les faire en stream. Par exemple, je sais pas, j'ai fait quelques fan game FNAF, j'ai même fait les FNAF tout court. Certains, pas tous. Sinon, on parle, mais on survit bien, je trouve ça étonnant. Ça fait un bon 2 minutes que je vous parle de tout et de rien. Il faut que je fasse le script, etc. En fait, il y a très peu de vidéos qui sont en phase de montage. Parce que c'était quoi? Le LVM Direct et Poppy Playtime, qui était depuis 1 ou 2 mois. C'est fini, c'est posté. La lumière se casse au-dessus de moi et j'ai l'impression qu'on va se faire agresser. Toutes les lumières qui sont au-dessus de moi se détruisent. On voit de moins en moins. On va essayer de s'éloigner du gros monsieur. Qui nous suit littéralement à la trace. Pour le moment, on a de la chance, il y a rien qui nous poursuit littéralement. Mais sur pattes avec des gros bruits de pas. J'aurais vraiment crié là. Là, je suis encore serein. Bon, là, par contre, on commence à rien voir et j'ai l'impression de marcher sur un tapis roulant tellement que c'est chelou le sol. Bon. On arrive sur des cul-de-sac, j'ai l'impression de voir des yeux parfois. Je deviens fou. Voilà, on va se faire agresser. Je n'arrive pas à comprendre ce jeu. 5 minutes on a tenu, et je pense que c'est notre record de 147. Bon, on s'en fait une petite dernière et je vous défie d'installer le jeu, parce qu'il est très petit et normalement tout le monde peut faire tourner. Et de faire mieux que moi, voilà. Et vous me dites si vous avez à faire mieux que moi et vous pouvez le partager sur le Discord. Ça peut être sympa. D'ailleurs, je suis en train de me dire... là, on est en train de faire une vidéo sur le jeu Backroom. Mais est-ce que ça vous intéresse une vidéo qui parle de Backroom? Pas forcément une vidéo qui parle simplement des étages, mais je sais pas, qui pourrait parler de théorie un peu... Mais je sais pas, j'ai envie de parler de sujets. De sujets sur l'horreur. Je commence à avoir faim, parce que d'ailleurs, il est 14h30, j'ai rien mangé depuis que je suis levé. En effet, c'est... problématique. J'ai envie de foncer sur le bruit en fait. Je suis curieux de savoir en fait ce que fait ce bruit. Oui, je suis ce genre de personne. J'ai peur, oui, mais... Oh, la peur. La peur, c'est qu'un détail dans les jeux vidéo pour moi, à force.
Par contre, je vous défie de trouver un jeu, limite vous le dites en commentaire, qui réussit à me faire crier. J'ai failli crier. Ah putain. Après moi, est-ce que je sais crier? Je sais pas, j'ai déjà fait des petits cris. Ouais, non, si. Bon. La musique, je la trouve incroyable. Bon. Bon, voilà, c'est. On a fait plus de temps. Enfin, plus. Non, pas plus, mais. Un temps convenable. Mais bon, les pas, c'est autre chose. Bon. Je sais pas quoi vous dire, à part c'était une petite vidéo comme ça pour patienter, en fait. Moi, comme ça, vous avez cette vidéo durant les vacances d'été. Et moi, ben, je prépare une autre vidéo un peu plus travaillée. Et j'espère que ça va vous plaire. Voilà. Merci à vous et ciao tout le monde. Bye bye.